Ces plénières nous permettent avant tout de réunir nos collaborateurs de différentes entités autour d'une thématique globale, comme aujourd'hui, Transfo Finance, et avant tout de partager, d'échanger et de passer un bon moment ensemble. C'était aussi pour connaître, au-delà de notre petite équipe familiale, les autres collègues avec lesquels on peut discuter, avec lesquels on peut échanger sur des sujets qui sont souvent connexes. C'est vraiment bien de pouvoir savoir qu'il y a tout plein de collègues sur lesquels on peut compter sur ces sujets-là, que ce soit à Paris et dans d'autres équipes. Dans le domaine performance management, nous pouvons proposer à nos collaborateurs différentes missions sur des sujets principalement donc d'élaboration budgétaire, de mise en place de prévisionnels. Et ces missions vont du cadrage de besoins jusqu'à la mise en œuvre de solutions, en passant par des missions d'audit, d'optimisation de processus métiers, mais aussi d'accompagnement au choix de solutions. Nous avons une grande richesse de profils. Nos collaborateurs viennent de différentes expériences, formations. Dans mon équipe, par exemple, j'ai des anciens contrôleurs de gestion, j'ai des anciens auditeurs, j'ai un ancien chimiste aussi. Ce qui est vraiment important, c'est d'avoir un minimum de connaissances financières. En ce qui concerne les profils techniques, on peut aussi, bien sûr, les accompagner pour approfondir leurs compétences sur les métiers de la finance, du contrôle de gestion. Quand je suis arrivé chez Talent, j'étais issu d'une formation d'école de commerce et je suis arrivé en tant qu'alternant pour faire mon master spécialisé en management des systèmes d'information. Ce que j'ai bien aimé, c'était le fait de pouvoir approfondir ma connaissance du métier de contrôle de gestion et du département finance et aussi me former au paramétrage des outils, plus particulièrement en low-code avec les workflows de données et le traitement et la restitution. J'ai eu un diplôme d'ingénieur en système d'information et aide à la décision. Ensuite, j'ai enchaîné avec un master 2 en informatique décisionnelle. Et par la suite, j'ai intégré Talent pour un stage de fin d'études. Et depuis, je suis restée avec Talent. J'ai beaucoup apprécié ce parcours de management de projet parce que ce sont des choses nouvelles pour moi. J'ai beaucoup appris, surtout avec des gens de terrain qui partagent leurs expériences, qui te donnent des outils pour demain pouvoir gérer un projet. Pourquoi venir chez Talent? Pour la variété des missions, pour l'ambiance aussi au sein des équipes. Malgré finalement le Covid, malgré le télétravail, on a réussi à créer une vraie proximité. On a une sacrée ambiance au sein de l'équipe EPM et progressivement de nouvelles personnes nous rejoignent et l'équipe grossit. Aujourd'hui, on est une vraie grande famille et on a vraiment cette ambiance de proximité les uns des autres avec notre manager qui est très proche de nous et en même temps qui sait nous soutenir, qui sait nous donner du grain à moudre pour nous faire évoluer dans l'équipe. Les gens sont tous dans la bonne énergie, dans le partage. Rejoignez-nous chez Talent.